Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu acheter une Maserati sans utiliser mon propre argent. Donc, il y a de cela quelques mois, j'ai acheté ce véhicule. Donc, ça a été, c'est mon tout premier véhicule. Hein. Bon, j'ai déjà acheté des véhicules avant pour ma mère, pour mes parents, etc. Mais moi, c'était mon tout premier véhicule. Donc, on va monter dans la voiture. Je vais t'expliquer, voilà, comment j'ai pu y arriver. Quelles sont les stratégies que j'ai mises en place et comment toi également, tu vas pouvoir le faire grâce aux différentes astuces que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, on embarque dans la voiture. J'ai une petite course à faire et on va discuter de ça en tête à tête. À tout de suite. Yes, bon, on est parti. Donc, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai acheté ce véhicule avec 0$ de ma poche. Bien évidemment, tu t'en doutes bien, il faut de l'argent pour acheter ce véhicule. Je vais t'expliquer comment, à travers plusieurs stratégies créatives, j'ai pu y arriver. Alright? Normalement, je suis pas un fan de voitures, c'est-à-dire les voitures, c'est pas trop mon truc. Je m'y connais même pas trop d'ailleurs. Mais voilà, à un moment donné, voilà. Surtout quand on parle de millions, de centaines de milliers de dollars en immobilier, bon. À un moment donné, il faut bien montrer les résultats, les fruits que ça peut produire, etc. Donc, il y a de cela quelques années, j'ai décidé d'investir en immobilier. Alright? Donc, je vais te rappeler rapidement mon histoire. J'ai décidé d'investir en immobilier et j'ai énormément fait de sacrifices. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, je partais pas très souvent en vacances et j'ai même pas acheté de véhicule avant mes 33 ans au moment où je parle. Donc, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que ce véhicule-là, je ne l'ai pas acheté moi-même. Donc déjà, je l'ai fait au nom de ma compagnie. Alright? Je vais te donner quelques chiffres et après, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Ce véhicule coûte 115 000 $ canadiens avec option, en incluant les options plus les taxes. Okay? Donc, il coûte moins cher de base, mais voilà, j'ai rajouté des options, etc. Et bien évidemment, dès que tu achètes un véhicule neuf, tu as également les taxes à payer. Donc, 115 000 $ à payer. Le crédit, c'est à peu près 2 000 $ par mois. Et à ça, tu vas ajouter bien évidemment l'assurance, dont l'assurance, je dois payer dans les 250 $ par mois. Et bien évidemment, bon, l'essence, c'est à peu près 100 $. On va dire par mois, le véhicule me coûte à peu près donc 2 000 plus 250 plus 400 $. Ça fait quoi? Ça fait 2 700 $ par mois, ce véhicule-là. Comment est-ce que je l'ai financé? Premièrement, je suis allé voir le concessionnaire et je lui ai dit que voilà, je souhaitais acheter un véhicule. Donc déjà, moi, j'achète pas un véhicule en nom propre. Je vais acheter un véhicule au nom de ma compagnie. Pourquoi? Parce que l'avantage numéro un d'acheter son véhicule au nom de sa compagnie, c'est que bah, c'est pas toi qui emprunte, c'est la compagnie qui emprunte. Donc déjà, ça n'entache pas mon bureau de crédit. Et ça, c'est très important en tant qu'investisseur, c'est que tu dois avoir le moins de dettes, je dirais superflues, sur ton bureau de crédit. Donc numéro un, ne pas acheter de voiture en son nom. Acheter au nom d'une compagnie. Et même si tu es salarié, tu peux te créer une compagnie et acheter le véhicule au nom de ta compagnie. J'ai présenté les documents de ma compagnie, etc. J'ai obtenu le financement. Ok? Donc, j'ai pris le financement. Donc, là, j'ai commencé à payer le véhicule à tous les mois. Et je me suis dit, voilà, je vais être un peu plus créatif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crédit de 50 000 $ au nom de ma compagnie que j'ai utilisé pour solder le prêt. Donc, je l'ai soldé plus ou moins de moitié. Et après, je suis allé emprunter un autre crédit de 75 000 $ à environ. Donc, j'ai pris un peu plus d'argent auprès de ma police d'assurance vie. Si tu ne le sais pas, tu peux, dépendamment du type d'assurance que tu as, tu peux emprunter contre la valeur de ta propriété. Donc, j'ai pris un prêt de 125 000 $ au total entre mon entreprise et ma police d'assurance vie. Donc, ça fait 125 000 $ au total que j'ai pris. Alright? Pour ce 125 000 $ là, quand j'ai pris le 125 000 $, j'ai fait des travaux dans ma maison. Tu verras même ben, mes dernières vidéos, je les tourne dans cet espace-là. C'est un bar avec bureau, espace de conférence, etc. Donc, j'ai fait des travaux dans ma maison pour 125 000 $. Donc là, les travaux sont en cours, mais j'ai déjà réévalué le montant de ma maison à la hausse. Okay? Et ça a fait passer ma maison de 850 000 $ à près de 1,2 million. On parle de 400 000 $ de gap, 400 000 $ d'équité que j'ai créé sur ma maison à travers les travaux. Donc, présentement, sur ma maison, j'ai une dette d'environ 650 000 $. Donc, tu fais 1,2 million. Moins 650 000 $, ça fait une équité de 550 000 $ que j'ai sur ma maison.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé voir l'institution financière et j'ai refinancé ma maison. Donc, j'ai même pas récupéré la totalité, mais j'ai récupéré environ 375 000 dollars. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent restant? Donc, le 375 000 dollars, je l'ai investi à 10%. OK? Donc, si tu fais 10% de 375 000 dollars, ça fait à peu près 37 500 dollars que mes investissements me génèrent tous les ans. Ça me génère de quoi payer la mensualité et les frais de mon véhicule. Donc, je récapitule. Le véhicule, j'arrondis les chiffres, bien évidemment, parce que j'ai pas les, là, je suis en train de conduire, j'ai pas les chiffres détaillés, donc je te donne les arrondis approximatifs. Ce véhicule, il m'a coûté 115 000 dollars, en incluant le prix du véhicule, en incluant les options, en incluant les taxes. Le véhicule, je ne l'ai pas pris en mon nom, je l'ai pris au nom de la compagnie. L'avantage numéro un, c'est que ça me permet de ne pas faire apparaître la dette sur mon crédit personnel. L'avantage numéro 2, c'est quoi? C'est que c'est une charge pour l'entreprise, donc je l'utilise pour mon travail. Ça me permet de déduire ça de mes revenus, donc ça me permet de payer moins d'impôts. Également, en termes de marketing, ça me permet d'attirer plus de clients. C'est sûr que dès que je fais une story sur Instagram ou que je fais une vidéo dans la voiture, j'ai beaucoup plus de vues. Qui dit plus de vues dit plus d'attention. Qui dit plus d'attention dit plus de clients. Qui dit plus de clients dit plus de ventes. Donc forcément, ça me permet de générer de l'argent. J'ai pris l'emprunt auprès d'une banque au nom de ma compagnie. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que derrière, je suis allé chercher un autre emprunt au nom de ma compagnie de 50 000 dollars et un autre emprunt de 75 000 dollars dans mon assurance vie. J'ai pris 125 000 dollars, j'ai fait des travaux dans ma maison. Ça a généré une équité de 400 000 dollars que j'ai investi en grande partie et qui me génère un rendement de 10%. Et tu vois que le 10% d'un peu moins de 400 000 dollars me permet de payer les charges de mon véhicule. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, en utilisant le crédit de façon intelligente, tu peux faire des investissements qui peuvent te permettre, de t'acheter ce type de véhicule. Bien évidemment, ça demande un certain montant, bien évidemment. Il faut le faire de façon intelligente. C'était réfléchi. Là, prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un autre véhicule, parce que je veux prendre un véhicule un peu plus haut de gamme. Et j'ai pas non plus envie de prendre une dette très élevée pour ce type de véhicule là. Donc c'est un véhicule qui va coûter aux alentours des 300 400 000 dollars, mais là cette fois-ci ce sera sous forme de leasing, mais je ferai le même type d'opération. OK, donc dis-moi dans les commentaires si tu souhaites savoir quel véhicule je vais me procurer dans les mois à venir. Et pour te donner un indice, ce véhicule là va se payer grâce à deux immeubles. Si tu as suivi mes précédentes vidéos, dis-moi dans les commentaires de quels deux immeubles je parle. Et aussi, dis-moi dans les commentaires quel montant je peux aller chercher sur ces deux immeubles pour financer un véhicule de près de 400 000 dollars tous les mois. Alright. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour te dire que il est possible pour toi d'investir en immobilier et par la suite de te récompenser tout en gagnant de l'argent. Parce que au moment où je te parle, le véhicule me rapporte de l'argent de trois manières. Ça me permet de payer moins d'impôts grâce à ma compagnie. Deuxièmement, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de... si j'ai pas besoin du véhicule et que je suis en déplacement, je peux le mettre sur Turo. Ce type de véhicule, tu peux le louer jusqu'à 500 dollars par jour. Et tu vois qu'en 4-5 jours de location, le véhicule il est payé pour le mois. Et voilà comment tu peux te générer des revenus de façon intelligente. Bien évidemment, avant de démarrer, ce que je te conseille, c'est d'acheter des actifs, parce que un véhicule comme celui-ci, bien évidemment, il perd en valeur. Il perd en valeur. Certes, il rapporte de l'argent, il me permet d'économiser de l'argent également et de payer moins d'impôts, ça c'est vrai. Mais c'est pas le genre de move que je te conseillerais de faire dès maintenant. Alors que l'immobilier, il prend de la valeur. Donc, il faut que tu utilises le crédit pour acheter des actifs. Et c'est maintenant l'actif en lui-même va te permettre de payer le financement de ton véhicule. Pas de payer le véhicule, parce que j'aurais pu prendre l'argent et payer le véhicule cash. Mais non, je préfère utiliser l'argent des autres, payer de l'intérêt et faire travailler mon argent beaucoup plus fort, tu vois. Donc vraiment, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu la likes, tu la partages. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très vite.